Au Japon, les opérations de secours sur le mont Ontake ont dû être une fois de plus interrompues ce jeudi. La faute à la pluie qui risque de provoquer des glissements de terrain. Le sol est très instable en raison des pierres et des poussières éparpillées lors de l'explosion volcanique samedi dernier. Mardi déjà, les secouristes avaient stoppé momentanément leur recherche des victimes en raison du risque de nouvelle éruption. Ce drame a fait au moins 47 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Les autorités disent être sans nouvelles d'une dizaine de personnes. Cette éruption volcanique a pris tout le monde de court. Les victimes sont mortes soit asphyxiées par les poussières et les gaz, soit écrasées par des pierres projetées par le volcan. D'après les autorités japonaises, il s'agit de la plus grave catastrophe volcanique de ces dernières décennies dans l'archipel.